Bon, comment ça va les amis? Bienvenue sur le live de Monsieur P7. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que la team Twitch est en forme, la team YouTube est en forme. Regardez ce que je porte. Merci Maximus, en tout cas. Putain, je suis content de vous voir. Regardez-moi ça, les gars. Oh putain, ça faisait des années que je rêvais de l'avoir. Fitting. Fitting. Merci les gars. Merci énormément. Merci à Ginzu pour le sub. Et en fait, je vois même pas qui est déjà arrivé à cause des bugs. Salut Ginzu, salut Disaster, salut Laroli, salut Silver, salut Agnès, salut le chat. Qui d'autre, qui d'autre? Salut Herma, merci beaucoup encore Herma, merci énormément. Qui est là? Levez les mains. Salut la team Twitch, salut la team YouTube, j'espère que vous êtes en forme, je suis content, regardez. Le Bomber Scum, regardez comment il est beau. Les gars, merci à Gamepires. Aïe, 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 aïe. Mikey, t'as pas trop chaud? Bah non, moi je suis dans mon sous-sol, du coup je mets pas le chauffage. Ça fait plaisir, merci Mikey qui offre le sub, merci beaucoup. Aïe 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 aïe, le train va dérailler. Gongal, hola, qu'est-ce? Putain, il y a toute la team, tout le monde est là. Trucano, vous êtes venu voir la plus belle veste. Skip. Bon, en tout cas, je suis content d'être avec vous. Vous savez que Disaster est au boulot encore aujourd'hui, donc on va être avec la relie, mais nous avons une petite surprise. Oh fuck, j'ai des pubs maintenant. Eh ouais! Eh ouais! Ça va, Tourou? Salut Gungash, ça va les gars? Bon, j'ai reçu des beaux cadeaux de la part de la dev team Scum. Le beau bomber réversible. Trop beau, avec la capuche. Voilà, j'ai reçu quelques t-shirts que je ferai gagner au cours de l'année, évidemment. Trois beaux t-shirts qui sont juste à côté, je les vois d'ici. Voilà, je suis content d'avoir reçu un beau cadeau. La classe, hein? Réversible la veste. Il y a même un truc ici. Genre avant de voler, tu tires sur la languette, genre comme si c'était un. Je sais pas si vous voyez. Un truc de parachute. La classe, hein. Oh! Merci beaucoup, la relique pour le sub à Turucano. Merci les gars, putain, vous êtes chaud. C'est pour le parachute, voilà, c'est pour pas s'écraser comme une merde pendant que je joue à Scum. En tout cas, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On va faire un petit peu bah, du jeu, on est là pour ça quand même. Et puis on va. Pim, pim, pim. Tri pour voir. Tu veux dire, tourne-le pour voir, c'est ça? Ah, regardez. Elle est bien, elle est magnifique. Magnifique. Attendez. Retourne le pouvoir en noir comme il est beau. Hop là. Tac. Attendez, je me remets en big cam. Ah, désolé à Team YouTube. Vous n'avez pas la cam ni l'image. Hop là. Belle veste, tranquille. Avec le petit. Parachute. Je vais vous couper. Et en plus, elle est sur mesure, les gars. Sur mesure. Hop. Gamepires, les gars. Gamepires, les gars. Bon, du coup, je l'avais mis en orange parce que, comme j'ai mis le t-shirt noir en dessous, sympa. Elle est magnifique. Franchement. Magnifique. Si un jour, par miracle, je pense que ça n'arrivera pas, hein, par miracle, il m'en envoie un deuxième, vous savez que moi je fais croquer ici. Hein. Je fais croquer si j'arrive à avoir un deuxième Bomberce, les gars. Ça fait videur, ouais. Ça fait videur. Moi je la remets du côté orange, j'aime bien. Si un jour j'arrive à avoir une deuxième doudoune, les gars, vous savez ce qui va se passer sur la chaîne. Hein. Moi je le dis en noir. Ouais, j'aime bien. Bah là, j'ai mis l'orange parce que j'ai mis le t-shirt noir, mais je pourrais faire l'inverse la prochaine fois. Mettre t-shirt orange et côté noir. En tout cas, ça va se battre si tu as un second. Oh, putain. Bon, en tout cas, je suis content d'être avec vous. On va aller faire un petit coucou à ceux qui sont sur le live, évidemment. Pas sur le live. Donc sur le Discord. Je jouerai pour le gagner, c'est certain. Bah, franchement, ça serait dingue quand même. Ça serait dingue. Mais bon, franchement, je suis pas sûr qu'ils en aient. M'en envoie un deuxième, faut peut-être pas déconner. Et GG pour les conducteurs de train, merci énormément pour les. Il y a eu combien? 6 subs?
C'est chaud, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez eu des fériés, que vous avez pu aussi vous reposer. Je suis éclaté. Aujourd'hui, j'ai très très mal aux yeux. Je vois rien du tout. Donc, bon, je cherche pas des excuses, mais ça va être compliqué. Et je vais aller faire une petite surprise. Pas sûr, on va aller sur le chat. Chut, ne faites pas de bruit. Attention, attention, je dois faire une surprise. Ne dites rien. Ne faites pas de bruit. Et je vais dire bonjour à la Roli. Salut la Roli! Hey yo, comment on va? Hey, ça va, tranquille. Tu veux mon blouson? Pardon? Tu veux le blouson? Vas-y, envoie. Tu l'auras pas? Non, Hein. je plaisante. Comment ça va, mec? ça va, tranquille. Tranquille la semaine? C'est bien passé? Ouais, bah oui, j'ai travaillé lundi, mardi, c'est Ouais. tout quoi. Ouais, si on pouvait être payé 5 jours et travailler que 2, Ah, ça. ça serait dingue. Non, non, C'est clair. ils ont la queue des tailles enfants. Bah là, c'est du L. Donc je suis bien content de rentrer dedans. Yo, tu Lucano. Effectivement, je vais essayer de pas trop perdre de poids, sinon elle sera trop large. Et après, si elle est large, je peux plus la mettre. Si je peux plus la mettre, elle ne me sert plus à rien. Et puis j'ai pas envie de vous la donner gratuitement. Je vais la garder pour moi, hein. Donc non, je vais garder mes quelques petits kilos en trop, comme ça j'ai la veste qui est à ma taille. Non, en vrai, je suis très content d'avoir reçu. Ça a pris beaucoup de temps. Depuis le mois d'octobre, je leur demandais quelques t-shirts pour la commu. Et ils voulaient m'offrir à tout prix la veste. Je vous l'avais dit, c'était une surprise. Et ils l'ont fait, donc je suis très content. Donc j'ai bien reçu trois t-shirts Scum que je ferai gagner au cours de l'année. Voilà, je ne vais pas faire gagner ça tous les jours, hein, ça serait très, trop facile. Et on fera gagner, je pense, je vais essayer de négocier avec Madame P14 prochainement, dans les prochaines semaines, un petit stream de 12 heures, avec un petit sub goal et tout. Et puis on fera peut-être gagner ça pendant le stream, un truc dans le genre. Bref, mais voilà, faut que ce soit des moments exceptionnels parce que je pense que j'aurai beaucoup moins de t-shirts qu'à l'époque. Parce que depuis le début, nous en ont donné beaucoup. Et je sais que d'autres streamers ont râlé parce qu'eux n'en ont jamais. Donc, à mon avis, ils vont lever le pied. Donc, les derniers que je garde au chaud, en tout cas, je suis content parce que tous ceux qui ont pris des t-shirts, enfin, surtout les giveaways, sont des viewers de la chaîne réguliers. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà quoi. Enfin, je suis très 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 content d'être parmi vous ce soir. Et puis aujourd'hui, on a une petite surprise en plus du t-shirt. Salut Luc, bienvenue. La petite surprise, c'est que ce soir, nous sommes trois, mais pas avec Disaster. Et non, je suis pas enceinte. J'ai rien dans mon bide, je vous rassure. Mais j'ai le plaisir d'accueillir, comme il se doit, le grand, le seul, l'unique. En plus, quand je dis grand, je crois qu'il fait 1m92 ou un truc dans le genre. Il est vraiment grand, même Même IRL. taille que moi. Ah ouais? Ah, les perches. J'ai l'honneur d'accueillir Silver, qui va continuer la saison avec nous le temps qu'il ait son congé paternité. Et je crois qu'il est là. Oh là là. Et oh là oh là, ça Comment va ou ça? quoi? Ouais, tranquille, ça va le papa? Et ouais, ça fait plaisir. Bah ouais, nous aussi. Il est là, tranquille avec nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de ses nouvelles. Il était parti, il faisait des travaux, il a déménagé. Il a refait une chambre, il a fait une salle de bain. Mais bref. Ah, la totale, la totale. Il Un a bien gars changé. fou, la totale. Et là, il vient de relancer Scum, il redécouvre les touches, il regarde les mises à jour, il redécouvre les bugs, enfin tout ça. Et puis donc, il va passer quelques épisodes avec nous. Et puis donc, du coup, ça sera une saison où on sera du coup quatre. Le temps que Silver ait toujours son congé, il fera quelques. Il a fait un poulailler aussi. Mais voilà, le temps qu'il fasse Merci. quelques épisodes avec nous. Bref, on va se connecter. Parce qu'on est là pour faire du scum quand même. À quand les t-shirts, monsieur P7? Eh, ça sera au hasard. Ça, c'est pour être là régulièrement. Parce que ça va se lancer comme ça dans un stream au bout d'un moment où je fais un petit giveaway à l'arrache parmi les connectés et tout. Pour forcer les gens à venir sur mes lives, c'est du chantage, tu vois. Bref, mais non, pour le moment, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Je coupe l'image parce que je me connecte. Évidemment. Je suis content d'être avec vous, évidemment. Je me rappelle plus où je me suis déco, évidemment. Dans la ville. Et dans la ville. Et puis, Sur un lit. sur un lit, voilà. Et c'est vrai que j'étais malade comme un chien, il fallait qu'on aille à l'hôpital. Ok, ça j'ai pas oublié. Et voilà. Allez, on se connecte, on va faire une petite game. Salut à la team Rediff YouTube, évidemment. C'est le meilleur Silver. Bah Silver, c'est. Comment dire? C'est un mate qui joue un peu, qui a le même style de gameplay que moi et le chat. C'est-à-dire qu'on joue toujours avec un arc et des flèches et un vélo. Mais il est très très bon à l'arc. Je pense que c'est le the number one. J'ai trouvé des Non, quand chaussons. même.
À l'arc, si, quand même. Il y a des number one de tout ici, c'est bien. Je me débrouille, je me débrouille. Le number one du râlage, si je peux appeler ça comme ça, c'est moi. Ah, quelqu'un qui court. Hein. Ah, c'est moi. C'est Agnès. C'est nous. Vous êtes ensemble déjà? Ouais, faudrait juste que tu le add parce que moi je peux pas. Ok, bah, je vais couper l'image vite fait. Rapido. Mais j'ai pas besoin en fait, j'ai juste à inviter dans les squats. Et Silver, ça y est, il est aussi bien stuff que nous. Un arc, des flèches, un poil et une hache. Voilà. Comme d'hab, le starter pack. Bah, c'est parti. Je suis désolé, mais là on va pas trop discuter. On va partir tout de suite à l'hôpital avant que je meure d'une infection et que je crève comme une merde. Et puis on va se looter un petit peu pour la base, évidemment. Ouais. Et on va se taper encore un live de nuit, visiblement. Aussi. Si t'as faim là. Là pour le moment, je vais juste essayer de survivre. Un Silver. Ah, pour Silver. Tiens, un Silver. Oh, oui. Et un concombre là. Une nana à poil. Une de plus. Et je vois qu'il y a des petits lags. Alors attendez. C'est bon, nickel. Je vais fermer tout ce qui sert à rien. Essayer d'optimiser mes FPS. Hop. Ah, le jeu kiffe pas trop quand j'enregistre en 4K plus le joue, mais bon. Je dois bien ça à la team YouTube. Hein. Sur la team YouTube, je les vois venir. De temps en temps, j'en reçois des messages. Ouais, mais si ça lag trop, t'as qu'à stream sur YouTube. Oh putain, ça bug. Ouais, ça rame aujourd'hui. Ouais, il y a des petits rollbacks. Ouais, je pensais que c'était mon PC, mais non, c'est le jeu. Oh merde. C'est pas ça. J'arrive pas à l'avoir, le Z. Tellement ça bug. Ouais, ça bug. Ah, enfin. Ah oui, c'est bien ce que je voyais de loin, il y a un drop en fait. Derrière nous. Il y a un drop? Ouais, mais très loin, très très loin. Ah. Et faut qu'on fonce direction l'hôpital. Salut Groot. Ouais. J'arrive. On trouve vite fait des antibiotiques et puis après on peut partir à l'aventure. Alors on essaiera de regarder dans les coffres s'il n'y a pas un truc qui tire pour Silver, au cas où. Parce que maintenant les mecs qu'on va croiser. Putain, ça bug, hein. Faut de ouf. Véhicule. Voiture. Véhicule, ouais. Il a tracé, hein. Il a tracé là-bas vers sud-ouest. Putain, dommage. Ça commence fort. Ouais, j'ai cru que j'allais me faire écraser. Bon, mais dommage. C'est pas loin. J'ai quand même mis un coup de fusil à pompe dans le pare-brise, mais. J'avais laissé. Ah, oula. Ça tire. Ça tire pas sur nous, c'est pas possible. Ici, sur moi. Ah ouais? Ouais. T'arrêtes pas, hein. Je me casse. Je crois qu'il m'a touché même. On se fait chasser. Bah ça va, la relie, il a un DT-11, il va pouvoir tirer d'ici. Il va les snipe. Je peux. Il a pris des plombs, ouais, je pense, mais là ils sont un peu énervés, je crois. Ils ont vu qu'on était en mode paysan. Je les attends derrière le caillou et hop. Ouais, ça tire, ouais. Ah, mais putain, ils sont pas au. Ils ont une lunette dessus, à mon avis. Ah ouais, non, mais là, ça tire très proche, là. Moi, j'ai pas d'HP, pratiquement, à cause de mes maladies, là. Je reprends ma stam. Moi aussi. Ok, on a voulu faire les malins. Je crois qu'on se fait chasser. On va partir vite, hein, quand même. Ouais. Ah, ils sont capables de nous chasser. Ils ont vu qu'on n'avait pas de stuff. Je récupère lentement là, allez go. On va essayer de continuer. Ouais, ça commence fort, hein. Les mecs sont énervés. Hein. Ouais. Oh, il y a une base là. Hein. Ah ouais. On pourra se la faire, ça là. Ça, c'est raidable, ça. Ouais. Ça, c'est raidable. Objectif du jour, tiens. Let's go. Hein. Est-ce que ça serait pas les mecs de la base? Non, peut-être pas. En tout cas, je sais pas.
Je pense que c'est un véhicule qu'ils ont depuis peu de temps parce qu'ils avaient une porte manquante. Hein. La porte passager, elle n'existait pas. Hein. C'est vrai. Ils viennent chercher mon blouson. Ouais, sûrement. Allez, Stam, pour ma part. Pareil. Ouais, je fais Stam aussi. Les mecs, ils sont... pas de pitié. Ils sont déter, hein. Ouais, putain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures infectées. Ah ouais, faut se dépêcher. Ouais. Où j'ai 62 HP, ça remonte pas. En même temps, il fallait que je tente à tirer dessus, on sait jamais, hein, tu sais. Oui, oui, oui. Putain, ah mec, oui, à travers le pare-brise, tu ramasses l'arme automatique. Imagine, tu aurais ramassé le... une arme avec la lunette, tu snipes le conducteur, enfin tout est jouable. Hein. Ah, il suffit d'une balle. Hein. Dans la ville où vous étiez, il y avait une pharmacie, mais bon, ouais, mais vu le niveau de loot ouais. du serveur. Antibiotiques, c'est rare d'en trouver dans les pharmacies. Ouais, c'est chaud. Mais c'est vrai, on aurait pu fouiller, c'est sûr. Putain, les rollbacks, comment c'est horrible. On va suivre la route. Ouais, on va essayer de pas rester en plein milieu quand même. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, on a tiré. Ils ont peut-être du monde qui a entendu du bruit. Mais bon, le SDAS à la distance où j'étais, bon, j'ai attendu qu'il soit un peu plus proche. Mais si j'ai enlevé 15 ou 20 HP, c'est max. Hein. Max. Non, en tout cas, non, j'ai pas trop chaud parce que dans mon sous-sol, il bah, y a toujours pas de chauffage. Là, il doit faire 17 degrés, donc avec le petit blouson, ça passe. Ah oui, 17, ouais. Ouais, dans le sous-sol, c'est frais. C'est frais. Et puis, c'est pas un blouson hyper épais, quoi. Tu sais, tu mets pas ça quand il fait moins 5 dehors, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est juste la classe, tu vois, c'est tout. En tout cas, il est à ma taille, c'est déjà une bonne nouvelle. Parce qu'ils auraient pu m'envoyer un truc trop petit ou beaucoup trop grand, mais là, il est... Franchement, il est pile poil. Il est pile poil. Oh, bientôt, tu mettras des blousons 2-3 mois dans l'année, quoi. J'espère. Bah, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de baraque, quoi. Voilà. Celle qu'on avait trouvée, il y a plus de chances qu'on l'ait pas que le fait de l'avoir. Donc, je passe toutes mes soirées à faire des recherches, préparer des appels pour le lendemain. Donc je suis au boulot en même temps, donc faire des appels c'est compliqué parce que mon patron est toujours pas au courant, évidemment. Donc tu peux pas faire les appels comme tu veux, quoi, ce qui est normal. Faut pas se faire griller, quoi. Bon, après je sais qu'il sera content, il dira rien, mais... Je suis rentré il y a à peine 2 mois, je vais pas lui dire que je repars, tu vois. Il va péter un boulon, tu vois. Même si... Et financièrement, il sera pas perdant parce que je lui rapporterai plus que ce qu'il dépensera, mais... Je vais m'évanouir. Ouais, il a besoin de manger. Ouais, ouais, pareil, je suis à zéro, là. Zéro en bouffe, je suis à 4% en eau. En eau, j'ai, si tu veux. Ah, ouais, je veux bien une petite gorgée, tiens. Ouais. Quoi qu'on peut boire dans la rivière, là, non? Ouais, tu peux, ouais. Oui. Ouais, je vais te prendre une gorgée, on irait boire en revenant. Je vais te laisser le reste qu'il y a dedans. Silver, t'en as pas besoin, toi? En flotte, je suis à 100% et nourriture, je suis à 26 encore, donc ça va. Ok. On peut trouver il y avait la fontaine à côté de la station service. Du coup, j'en ai profité. Okay. Good. Il y a le cul du perso de Silver qui fait des rollbacks. C'est fait exprès pour qu'on puisse le voir un peu plus. C'est lent. Franchement, par contre, je suis un petit peu inquiet, c'est qu'avant cette mage... Oh, chargeur d'M9, on a un pistolet. Ouais, on a le pistolet, ouais. Avant la mage, on avait presque pas de rollback. Et là, il y en a plein qui sont venus entre-temps, et je suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle. Je pense qu'on va aller d'abord faire l'hôpital principal. Non, je vais mourir de... Ça lag, hein. Ouais. Mais ça lag un peu de ouf.
Ah ça c'est putain de serveur privé de merde mal réglé là. Faut faire le principal avant du coup Seven. Ouais je suis obligé. Je suis en train de perdre des HP. Ils ont corrigé le bug des coffres. C'était quoi le bug des coffres? Pourquoi t'appelles ça bug? Pas un bug si? Le glitch. Tu veux dire? Avec les arbres. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va croiser quelqu'un à l'hôpital là aujourd'hui. Ouais, je sais pas, j'ai aussi cette impression là. La duplication de coffre? Ah, je j'ai pas connu ça. Moi je joue legit, monsieur. Ça veut dire legit? C'est-à-dire que quand je fais des bugs, je les fais discrètement. Les coffres pétaient des fondations dans ta base en les déplaçant. Ah ouais? C'était un coffre pelleteuse quoi. Bon, la relie aujourd'hui, tu fais attention avec tes mechas. Hein. Non, c'est pas les mechas, c'était le Z. C'était les Z. Oh. Oui, c'est vrai. J'avais 5 ou 6 Z sur ma gueule. Enfin, moi, j'ai remarqué que la discrétion était toujours de rigueur. Ah, obligé. si t'es pas discret dans la team, t'es jamais pris ici. Hein. Ah, les mecs qui font du bruit, on n'en veut pas. Hein. Déjà, moi, quand je vois la relique courir, j'ai déjà beaucoup de mal. J'ai peur, tu vois. Moi, je cours jamais. Donc, bon, je fais attention, tu vois. L'hôpital, ça a l'air d'être calme. Construit et paf. Putain, mais c'est quoi ce bug de merde, n'empêche? Bon, on va voir celui qui veut me sauver. Le premier qui trouve des antibios. C'est bon. Ah, je crois que moi aussi. Ah non. J'ai trouvé des... Ça va pas durer longtemps. Antalgique. Non, c'est pas ça. Là, je les ai posés, ouais. Antibiotiques et antalgiques. T'as vu? Ah, merci. Par contre, j'entends des bruits de pas à l'étage. Je sais pas si c'est un Z. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Quand j'entends quelque chose. Bah, c'était rapide. C'est nul? Ah, je crois que c'est un Z. Ouais. Bon bah ça va, on est sauvés. Allez, bon bah c'était la fin de l'épisode. C'est bizarre parce que j'entendais des bruits de loot, mais en face de moi. Et vous êtes derrière. C'était peut-être au-dessus du coup. Le bruit de loot. Peut-être, ouais. Par contre, faut que je trouve de la bouffe absolument. Merci le globule, merci énormément. Connexion de poisson rouge, effectivement, j'imagine. J'entends beaucoup de bruit de pas. Ouais, c'est nous. Bordel. Ah, y'a un Z là-bas. Ouais, y'a un Z. Qui court? Quelqu'un au-dessus? Ah oui. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tu joues avec deux boucans, on finit la tranquillité. Ouais. Moi, je vais continuer à être discret. Ah, est-ce que du coup, ça vaut vraiment le coup de faire le reste de l'hôpital? Parce que techniquement, on va pas les vendre. J'ai trouvé une boîte ou deux de plus pour garder en stock. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est bon, j'en ai une. J'ai une 22 sur 24 là. Voilà. Par contre, tu peux pas la prendre. Je pense qu'on va aller faire les.
des petits ateliers autour pour voir si y a des tournevis si on se casse. Tu sais ce qu'on peut faire? Dis-moi. C'est prendre la base qu'on a vue, l'overtake. Si on a de la chance de l'avoir, ben on la lock derrière. On peut la lock tout de suite? Non. Non. Mais on peut essayer, ouais. On va aller raid. Ouais. On peut, hein. Vas-y, go. Je vais prendre les ferrailles qu'il y a ici sur moi. On va aller faire un petit raid, les gars. Vous êtes chaud? Oh, les relais. On va prendre le 9 minutes pour Silver, on va prendre quelques balles. Faut boire et manger avant, effectivement. Ouais, ouais, faut manger, ouais. On va fouiller les champs, les machins. Je viens de trouver un stylo, ça a toujours bon. Ah, tiens, moi j'ai ça si tu veux en attendant là. Vous êtes vraiment lourd en bouffe. Ah, ouais, je suis à 0,0 quoi. Il y en a un autre là, si tu veux, là, Oli. Oh, ouais, c'est cool, ouais. Ouais, on va aller faire le village vite fait pour essayer de trouver un peu de bouffe. Bonsoir tout le monde, salut Golfi, salut Squall. Ça va les gars? Vous avez dû voir la... Oh putain, les rollbacks. La doudou nous scan. Pas le bombers, même pas la doudou. Ah, petite boîte de clous, je peux pas la prendre. J'ai pris. Ouais, c'est bon. Vous trouvez un sac, un truc, à part si t'en as pas. T'en as un? Ah non. Une banane pour Silver, une chemise, ça si t'as besoin. Ah yes, je prends. Du coup, on a ferraille qui traîne. Ouais. Allez, on y va, on rentre, on va essayer de trouver à bouffer. On va équiper Silver et on va faire un petit raid. On va essayer de prendre la base d'à côté. Parce que du coup, les côtés de là où on voulait se poser, si on arrive à overtake comme il dit. Toujours ça, ça nous fait gagner du temps. C'est un Z. Et merde. Flèche, elle a dû voler jusqu'ici là. Elle est bon. Allez, on se casse. Ouais. Qui c'est que j'ai pas salué aujourd'hui? Levez les mains. Ah yes. On va repasser par le pont. Hein. J'ai vite fait juste aller en bordure de rivière pour ramasser les. Là, regarde par terre là. C'est ta fin. Des l'ail des ours là. Oh, c'est ça. Hein. Oh oui, c'est ça. Il y en a pas. Faut peut-être en trouver aussi. Hein. Lol. Regarde-moi ces paysans. Ah si, j'en ai un. Bravo. Ce qu'il le veut. Moi aussi j'en ai un. Mange cousin. On va essayer d'en trouver un pour Silver. Comme ça on aura tous une haleine de poney. Bon, je suis à 12%. J'en ai un. Tiens. Par terre, tiens, je l'ai mis là. Il y en a un autre là par terre. Et les mecs ils sont pas en galère là déjà. Tiens, il est là. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai pris. Mais allez, moi je suis encore bien, hein. Je suis encore à 13%. Oh Carlos! Vous êtes lourd. Hey, je suis à 8, ça monte. Va Carlos. Je suis à 4 là. Carlos et Didi. Ça va la team? Bah ça va, très très bien. Cet épisode tranquille, on est à 3, on va faire un petit raid ce soir. En direct live. On va lockpick. On va te regarder lockpick. on va te cover, on va essayer. Et vous, comment ça va les amoureux? Ça faisait longtemps, grave. Grave. Oh, ça bug vraiment. Ouais, j'ai vu la relie tomber du pont et repop dessus. Ça c'est bon. Pas toi, c'était pas à toi un moment où tu voyais les à travers les murs ou je sais plus quoi là? Ouais, je voyais pas les portes. Oui. Je voyais pas les portes, ouais. Il passait à du travers coup, les je voyais tout ce qui se passait au travers et je passais au travers les portes sans les ouvrir. Ah, c'est bon. Mortel. J'étais allé dans la... Dans la killbox. Dans la killbox, ouais. En passant à travers la porte. Et... Ouais. Ah ouais, jusqu'à ce point-là, ok.
Ah ouais, et puis bah du coup pas enclenché quoi, donc t'avais tout quoi. C'est trop fort. T'avais tout le temps que tu voulais, aucun Z. Ah. T'avais tout le temps pour lockpick, nickel. Ah c'était un truc de ouf. Genre, les infections reviennent quoi. Ah c'est, ça passe. Ah non, elles se sont réinfectées ces connes. Il y a des sauterelles là si vous voulez. Ah ouais. Ça se soigne, j'ai récupéré des HP, je suis à 76. On a eu des ours aussi. Bon, on vient de croiser un véhicule. J'espère que les mecs. En plus, c'était hyper stuff comparé à nous. Oh, merci Carlos pour le Prime. Un max de GG pour Carlos, merci beaucoup. Muchas gracias. Merci Carlos. Merci beaucoup. Muito obrigado. P7 international. Il râle en toutes les langues. Je suis le seul et unique. Quand même. Bon bah déjà ça va mieux le personnage. Il récupère la life. Il va falloir construire une pelle pour que tu déterres les coffres. Ouais. Je te laisserai aller voir avec Silver pour qu'il puisse prendre un gun et des balles. Bien, moi, Silver, je te donne déjà ça. Comme ça, tu l'as, tu sais. T'as des slots sur toi, Silver? T'es full? Non, j'ai des slots. La banane, elle est vide. Quand tu iras au coffre, je te donnerai ce que j'ai à délouter sur moi. Parce que, ah, il y a de l'eau là. Je n'irai pas voir mes coffres. Voilà, ça évite le... voilà. Les problèmes. Je vais me prendre un level en camouflage, nice. Y'a personne dans la grotte toujours? Y'a toujours ce bug de quand tu remplis la Red Bull avec de l'eau, ça fait quand même l'effet de la Red Bull? Je pense pas. Non, y'a personne dedans. Il lui faudra des sous aussi par... du coup. Effectivement, ouais. Bien vu. Bien vu le chat. T'as pas de sous, Silver? Oh bah non. Je me suis coup à 20h, il m'a fait pop en Z2 alors. Bravo. J'ai prié pour arriver avant 21h. Et ça va, mal, j'ai déjà croisé personne. Ça c'est vachement long à soigner les infections maintenant. Larve et sauterelle là, s'il y en a un de vous deux qui est encore dans le mal avec la bouffe. Vas-y. Si, prends-le. Merci beaucoup. Bon appétit. Sauterelle. On a un beau coucher de soleil les gars. Comment va le Ninja Cat? Ninja Cat. Tu savais que je participe maintenant au challenge hebdomadaire Scum. Et à chaque fois que je réussis le challenge, je gagne des clés ou des machins pour la team. Donc j'ai gagné une clé CD déjà. Ah, c'est par rapport au nombre de vues, c'est ça? Ou un truc comme ça? Ouais, au nombre de vues ou au nombre de spectateurs moyens sur Twitch. Voilà, donc. Là, cette semaine, ce qui a gagné, c'est un DLC Weapon. Donc voilà, à chaque fois que je gagnerai les challenges Scum, j'essaierai de vous faire... Je mettrai en jeu les lots. Hein. Moi, j'ai aucun DLC dans le jeu, à part le supporter pack que j'avais acheté avant d'être streamer au début, et qui permet de siffler. Ah, le supporter 1. Ouais, et de faire caca des chargeurs. Mais sinon, tous les autres, je les ai pas, donc si je peux vous les faire gagner. Ouais, ça fait plaisir de vous revoir, quand même. Ça fait plaisir de revoir les anciens. Là, c'est parce que j'ai mis les rediffs payants, il y en a plein qui reviennent. Oh non, ils font chier. Fait chier le P7 avec ses rediffs payantes. Ah, ça va. Elles sont disponibles sur Twitch si vous avez Amazon Prime, donc c'est gratuit. De maïs juste en dessous. Ouais, je m'avais pas au milieu du champ en ce moment. J'ai trop de monde qui passe. Mais oui, je savais. Bien vu. Et même un champ de patates au-dessus, direction. Comment dire? Il y a les arbres aussi, les arbres fruitiers là. Ouais. Aux alentours. Ouais, je vais aller les faire. On va faire la ville tranquillement. On va vider.
On va faire les baraques. Allez là. Vraiment full bugué. Oh là là, les bugs. Vivement le reboot, hein, 15 minutes. Ouais, je sais que c'est pas facile. Bon, en tout cas, si vous allez bien, c'est le plus important. Non, il n'y a pas de prix. Là. En tout cas, à chaque fois qu'on est venu à chaque live, la ville était faite. Hein. C'est vrai. Par contre, si vous trouvez un sac pour... Enfin, si je trouve un sac, je donne à Silver. Un deuxième, je le prendrai bien. Bien sûr. Vu qu'il tire la tronche un peu. Il faut trouver du fil aussi. Exact. Du fil, j'en ai là. Je viens de ramasser. Il faut profiter pour le faire poivre. Des carquois. Moi, je mange du poivre. Faire des carquois, les machins, faut en profiter. Je pense qu'il est passé il n'y a pas longtemps, le mec. Hein. Le champ de maïs, juste à côté, où là où vous avez tiré le mec. Ouais, c'est exactement. Ouais, je pense, parce qu'il n'y a rien du tout là où je suis. Là, c'est tout open. Barbelé, je prends. C'est impressionnant comme ça bug. Ah, vivement le reboot. Tiens, j'ai un pantalon de travail, t'as besoin de ça, Silver? Ouais, j'ai un pantalon de survêt, mais ça doit être mieux, je pense. J'ai plus de slots. Il y en a 3, 6, 9. S'il est tout réparé, là, il y en a 8 là. Il est un petit peu abîmé. Ah, je suis à 6 avec le. Ah! Bon, on conserve. Je vais venir le récup. Hop, on et si vous voulez, j'ai un céleri. Vas-y, mange pour le moment. Waouh. Silver, j'ai 59 dollars si tu veux. T'as pas ta carte sur toi? Si, j'ai ma carte. Ah bah tiens, ah, ça tombe bien. J'ai 86 dollars, tiens. Je viens de les ramasser. Eh, hey, on va essayer de la garder. On va essayer de te trouver des thunes comme ça. T'as d'aller se faire un aller-retour. J'ai donné le pantalon, hein. Ouais. Ouais, je l'ai mis. T'as d'aller se faire un aller-retour au shop si on trouve de temps en temps des petits billets comme ça. Le plan pantalon de travail est génial. Je vais bientôt vous mettre un gamma, les gars. Hein. Pensez être fatigué, être français. C'est moi qui suis fatigué, c'est pas le. Tournevis rouge. Deux coups. Ah, il y a une roue de Ranger. Toulon, on ramasse. T'as besoin d'une pince pour désamorcer ou pas? Non, je pense pas qu'il y a de mines encore. Tu vois. Ouais, ouais, je pense pas, ouais. Je la prends au cas où, parce que si on en a ouais, pas, voilà, on ouais. A pas l'air. Con. C'est vrai. C'est vrai. Ah, je vais vous mettre un tout petit peu de gamma. La paternité, c'est un travail à plein temps. Ouais, ça se voit, c'est pour ça qu'il joue à Scum. Bah, il en profite. Hein. J'ai un deal avec madame. C'est la journée, tu t'occupes du gosse, le soir, t'as le droit de faire de live. Pas mal. C'est pas mal. Je viens surtout lui faire une terrasse de folie dans le jardin, là. Ah. Avec tout ce qu'il faut. Donc, ça va. Le négociateur. Ça marche. Tranquille. Cadenas, on va ramasser. On va fouiller tous les lits, hein, dès qu'on trouve un petit billet, comme ça. Parce que c'est vite fait, parce qu'au final, nous, on fouille pas tous les matelas et tout, mais 50 par-ci, 100 par-là, et à chaque fois, à chaque live, ça va vite monter. Hein. C'est vrai. Tiens, 6 dollars encore en plus. Magnifique. Hop, ah, vas-y, on va bouffer les graines. Hein. Ah, c'est exactement ce que je suis en train de faire. T'as une hache sur toi, Silver, non? Ouais. Je m'en suis craft une hache et un arc. Je vais la garder quand même en attendant. Alcool isopropylique, là, vous en voulez, ça?
Pour faire des rags non infectés, mais ouais. Bref, je prends pas pour le moment. Je prends pas. Boîte à outils par contre, si. Oui, oui. On va finir par croiser quelqu'un, j'espère. Enfin, après, c'est pas comme si on était hyper stuff. Hein. Là, on a tenté le petit raid. Oh, il y a une vraie pelle, sa race. Je vais la prendre. Ah, ça c'est bon. 82% en plus. Nickel. Parfait. Encore des aides. Ah, une toolbox, mais je peux pas la prendre. Il faut la prendre à la main et on va aller se délooter. Ouais. Important la toutoule. Une pince aussi, j'ai trouvé. Prendre en main. C'est le look orange mécanique. Ah, il est beau ou pas? Il y a juste Agnès qui m'a vexé. Elle m'a dit là, c'est... elle est rouge ta veste. Je t'ai dégoûté. Mais non, elle est pas rouge. Mais non, je suis très content. Très content d'avoir le Bombers. Bon, allez, let's go. On se retrouve en forêt. C'est vrai. Il donne ce qu'il y a délooté. Bah, du coup, j'ai pas besoin de la hache. Ah, tiens, bah prends la mienne si elle est en meilleur état que la tienne, si tu veux. Il y en a quelques. Ouais, 2%. Ouais. Laisse tomber. je vais vous donner, je vais vous drop par terre la base qu'il y a à ranger. Je peux pas aller au coffre, c'est vraiment chiant. Elle est magnifique cette veste, grave. Grave, grave, grave. J'adore. On a encore le fly ou pas d'ailleurs? Là il est vert le. Le flag, il était plus vers la gauche, hein, je crois. Il était genre là, par ici. Ah ouais? Il Attends. Est là, pile devant moi. Ouais, nice. Ok, je vous pose ce qu'il y a à looter. Bon, déjà, il y a l'appel. On va ranger les antivirus. Ah, l'appel, ouais. Attends, je vais la prendre. Attends, je prends. J'ai pris l'appel, vas-y. Ok, ouais. Par contre, je peux pas te prendre ce qu'il y a par terre. J'ai pas de place. Ouais, moi, pas tout, ouais. Il y a un peu, mais pas tout. Je suis bloqué par le poids. Ouais, là, voilà. Attends, j'ai une idée. J'ai une idée. Ah là 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 là. C'est galère, hein. J'ai une idée. Tiens. Non, tu peux pas filer ton sac direct, je le prends à la main et je le vide. Je vais tout mettre dans le. Dans le sac et tu vas pouvoir prendre le sac à la main. Alors je comprends pas, c'est que mon sac il est vide, mais tout c'est rangé mais pas dans le sac. C'est pas grave. Hop. Là-dessus on est bon, tac tac tac, tiens, cadeau. On est bon. Du coup je dois poser l'appel. Oh Kiro je suis le. Faut prendre l'appel pour aller. Je prends l'appel la relie. Ah, je peux pas ouais, la prendre. Je peux pas la prendre à la main. Si, mais j'ai la toolbox qui est tombée alors. Bah, faudra faire un aller-retour. Ouais. Ouais, je ferai un aller-retour, t'inquiète. Donc, l'idée là, les gars, deuxième, ouais. Le temps qu'ils aient déterré et tout, on va armer Silver avec un 9 mm, au moins qu'on ait une arme chacun. On va prendre des tournevis. Il y en a deux, des BP normalement. Ouais. Là. Ouais, là et là-bas. Ça va, Kero? Comment ça va? J'ai porté le t-shirt Skull alors... toute la journée aujourd'hui. Ah bah. Voilà. On m'a demandé deux fois de quel técos je l'avais eu. Ah, il est beau le t-shirt. Très très beau. Comment ça va? Yo Kero. Je vais en profiter, je check la ville en même temps. Et je vais vous mettre surtout un petit peu plus de. Comment dire? Un petit peu plus de gamma parce que là il va commencer à faire nuit, évidemment tout un live de nuit, évidemment. En fait j'aurais dû fermer ma gueule parce que les deux premiers épisodes il faisait jour et je disais ah c'est trop bien. Et maintenant il va faire nuit quoi.
Là, le M1, tu peux le prendre là. Le M9, pardon. Excuse-moi. Il y a les balles. Ouais, ça marche. Vas-y, attends. Hop, parce qu'il faut vider ça. Oh, comment c'est lent. On peut faire. Est-ce qu'on... On a ce qu'il faut pour faire un kit de couture? Ah ouais, il y a une aiguille là. Ouais. Ouais, moi j'ai du fil, je suis en train de t'en mettre dedans. T'avais pas vu ça? Magnifique. Magnifique ce t-shirt. Enfin, ce t-shirt. Cette veste. C'est magnifique. Hop, le M9, tu m'as dit. Tiens, tac. Je te donne P7. L'argent là. Ouais, vas-y, nickel. Et après... Ah, la P7. Quel mannequin, magnifique. Magnifique. Bon, allez, let's go. On va aller tenter un raid. Le premier de la saison. En espérant qu'on pète pas sur des mines. Si tu vois des sous à droite, à gauche, Silver, dans les coffres, serre-toi. Hein. Ouais. Oh putain, hey, faut que tu me ramènes. Quoi? Quand Silver, tu viendras chercher la toolbox, faut que tu me ramènes les antibiotiques. Ouais, ça marche. Ouais, infecté. Super, magnifique. 4 minutes avant le reboot. Ouais, encore rien infecté, ce con. Qu'est-ce que je veux faire? Il faut des tournevis. Faut que j'aille me chauffer à bouffer, tu veux que je lance une prédit P7 avant? Ouais, on peut faire une petite prédit. Est-ce qu'on rentre dans la base, oui ou non? On sait pas s'il y a des portes ou pas. Techniquement, oui. Mais la prédit, c'est ça. Est-ce qu'on rentre dans la base, oui ou non? Tu vas ramener les antibios? Je te les amène. Je les ai zappés. Pas de soucis. Ah, mais ça fait deux comprimés que je prends et c'est réinfecté, ce con. Prends-en deux de suite, quand tu peux. Okay. Peut-être. Mais ça marche par deux, les médocs, je crois. Je sais pas. Rentrer de la base, oui. Tiens. On sortira, ça sera moins sûr. Ouais, c'est une bonne question. Tu manges quoi, le chat, ce soir? Fais-nous rêver. Je vais pas trop manger, moi. Un petit boudin noir puré. Il y a un chargeur dans le M9 ou il est vide? Non, il n'y a pas de chargeur, je crois. Il te l'a donné tout à l'heure, le chargeur. Ouais, mais du coup, je l'ai mis. Je vais prendre un peu de balles sur moi au cas où. Ouais, vas-y, prends une boîte là. Il y a des boîtes. T'en as pris? Oui, j'ai 11 balles. Okay. Vu que j'ai qu'un chargeur, ça va être tendu. T'as rempli un chargeur plus 11 balles en plus, c'est ça? Plus 11 balles en stack sur moi. Ouais. Ok, ouais, ça va. En train d'enterrer de nouveau. Vite les médocs, je vais mourir! S'il vous plaît. Ouais, je regarde pas les coffres de la saison, je peux pas. Hein. Des burgers au bacon du supermarché. Ouais, c'est mieux que rien, putain. Ouais, c'est à cause de P7. Il n'arrive pas à se nourrir correctement parce qu'il veut pas louper le live. C'est de ma faute, ça. Putain. Oh, les rollbacks d'eau. Ah, t'as pris la grosse boîte, Cimer. Hop. Ah, du coup, je vais en prendre deux. Attends, maintenant, je suis où, là? C'est même incroyable que ce truc-là, il soit pas passé, quoi. Avec deux, ça devrait passer. Les burgers, c'est mieux que les croquettes. Bah oui, j'imagine. Bon, je vais garder les antibiotiques sur moi, de toute façon... Pour le moment, j'ai pas trop le choix. Le lycoperdon géant, c'est pas un truc vénéneux, ça, si? Je ferai. J'y connais rien. Je fais pas encore confiance. D'argent, donc. Ouais, mange rien. Reste tranquille. C'est quoi, le temps que tu viennes, je vais aller check un peu la ville, fouiller encore 2-3 baraques, voir s'il n'y a pas un peu de bouffe. Je vais fouiller les tournesols, là. Parce que sinon, on va être en galère, je suis à 9%. Ça va restart en plus, ouais. Ouais. D'accord. On peut plus fouiller les tournesols? C'est nouveau, ça. Ah ouais. Ça a été supprimé du jeu. D'accord. Bon, bah tant pis. Arc-Zin, coup! Comment ça va, mec?
Bienvenue à tous, bienvenue sur le live. On va fouiller là, peut-être un peu de bouffe, on est en galère. Oh putain, oh. Ça reboot. Oh, ça reboot. Bon, on est la chaud. Petite vidéo. La petite vidéo que je peaufine pour demain. Elle est magnifique. Moi, je dis rien. Il y a la Rony qui nous prépare un petit trailer. Hop, 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 hop. Salut le rigolo, salut Arzincou, salut à tous. Donc là, la suite de l'épisode des événements. Tournevis, un peu de bouffe, du raid. Et qui vivra, verra. On verra bien. Il y a une prédic qui est en cours, n'hésitez pas à voter, il reste à peu près 7 minutes. On rentre dans la base, oui ou non. Ça veut dire qu'en gros, si on arrive devant et qu'il n'y a même pas de porte et qu'on ne peut pas rentrer, la prédic est terminée, on est d'accord, attention. Hein. ça peut être une partie du vote. Salut Matt. Comment ça va Matt? Julia Mulhouse, lui fait plutôt une bonne choucroute plutôt qu'un burger. Je pense que le chat, il est fan des burgers, en fait. À choisir, il préfère un vrai bon burger qu'une choucroute, je pense. J'ai fait un raid, un kill, une Quel. Moto en plus. Ah ouais? Nice. Quel. J'arrive. C'est beau, ça. À tout de suite. Ah, je sais pas ce que j'ai. J'ai la paupière de l'œil qui... Et des fois, qui, je sais pas si ça vous le fait, qui tremble toute seule. C'est l'émotion de vous voir tous réunis. Comment on fait pour voter? Ça dépend si tu es sur téléphone ou sur l'ordi. Normalement, tu as un petit menu qui se déroule et tu votes l'un ou l'autre choix et tu mets le nombre de points de chaîne que tu as. Ça dépend du nombre de points sur le tel. Bah, normalement, tu as des points de chaîne que tu peux... manque de magnésium. Ah! Magnésium, c'est dans quoi ça, le magnésium? Et il faut regarder combien tu as de points de chaîne. Tu as le petit logo en bas qui est en forme de lock. Dans l'eau? Je bois pas d'eau. Je sais pas. Si je prends une douche, ça marche ou pas? Ah, je plaisante. Ah putain. Chocolat magnésium. J'en mange du chocolat, putain de merde. Pardon. J'en mange du chocolat, mince. Allez, on va essayer de se connecter. Le pastis. J'en bois pas du pastis. Mac B6, je crois que madame, elle en a ça. C'est des trucs... c'est des gélules, ça. Bon, à part ça, dans le magnésium, on en a où? C'est le chocolat, si je prends 5 kilos, elle va préférer que je cligne de l'œil, madame P14. Hein. Après, tu vas plus rentrer dans ton bon beurs. Bah oui, ça serait dommage de vous le donner, après. Bon. C'est des escrocs, hein, quand même, t'as vu? Ouais, c'est de te faire grossir pour que tu leur files le bon beurs. Hein. Ils ont pas changé. Ils ont pas changé. Direct. Au bord de l'épargne, c'est dégueu. Oh putain, mais c'est pas l'eau qui fait chier aussi. L'épargne, ça donne la chiasse, c'est ce que j'allais dire. Merci les gars, franchement, vos conseils. Je pense que je vais continuer à cligner de l'œil, ça va être plus simple. Du magnésium, alors. Les bananes. Les figues, les dattes, les abricots secs, les épinards, l'avocat. Le pain complet. Alors ça, c'est la connerie, je mange du pain complet tous les jours. Bon, ok. Bon, ben, je vais remanger plus de bananes. Ben, vous savez quoi? Je vais aller chercher une banane, du coup. J'arrive tout de suite. Le temps que ça redémarre. Ah, attendez, ça se reconnecte. J'attends la reconnexion. J'aime pas du tout. Je savais que le chat, il préférait les burgers. Un bon vrai burger, là. Bien gras, là. Bien coulant, tu sais. Avec des... Vous ne pouvez pas effectuer l'opération de Vendée. Ça ne marche pas. J'ai le temps d'aller chercher ma truc. Un bon burger avec le steak qui a été cuit au beurre. avec du cantal ou machin qu'ils font. Bref, à tout de suite, j'arrive. Je vais chercher une banane pour pas que je cligne des yeux. J'arrive.
Re. On se connecte, j'en ai profité. À faire gagner. Pour de l'année, les t-shirts Scum, ils en ont envoyé deux, 200 blisters. Et un, enfin, ça, c'est pour vous faire gagner, les gars. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne, à venir sur le Discord. Parce que les giveaways seront soit en live, soit sur le Discord, pour exclamation Discord. Le follow, c'est gratuit. Et j'ai pris les bananes. Bonne banane. Moi, c'est demain, burger maison. C'est trop bon. Allez, je coupe la musique. Je remets l'image. En exclamation Discord pour ceux qui sont pas dessus. Il y aura des t-shirts à faire gagner dans l'année, des giveaways, des DLC. J'ai eu un doute s'il y a eu du bruit ou pas. Demain midi, burger maison, putain, trop bon. Ouais, demain midi, moi je suis au boulot. Ouais, je suis désolé, je coupe la cam 5 minutes, le temps de manger la banane. Non, il y en a encore qui vont faire des screens de bâtards. Ça va finir en montage. Avec autre chose qu'une banane dans la bouche, je les connais déjà, je les ai trop. On utilisera un certain item dans le jeu. Ah oui, le cigare. Je ne cite pas. Violet. C'est ça. Je cherche à manger dans le potager. Ouais, je séchais un peu visiblement. C'est sec. Là, j'ai déterré le premier coffre. Le okay. Celui-là qui était full. T'as pris ce qu'il y avait, ce qu'il fallait dedans ? Bah, je suis en train de me les faire là, les, okay. Les pins. J'ai une boîte de pins sur moi au cas où. Hein. Ouais, ça marche. Silver, si tu loot des barriques, laisse tout fermé, hein, si tu peux. Ouais, ouais. T'inquiète, t'inquiète. J'ai pas oublié ce détail. Je prends tous les tournevis ou j'en laisse un dedans ? Ah, c'est toi qui sais comment tu le sens pour ouvrir la base. Ouais, vas-y, je les prends. Très con de s'arrêter en plein raid. C'est vrai. Prends une paire de gants. N'oublions pas celle-là. Au cas où. On sait jamais. Et sinon, à part ça... Quelqu'un a besoin de quelque chose encore ? Moi ça va. Bah, s'il y a des billets qui traînent dans le coffre. On non. Sait jamais. Il n'y a pas de billets dans celui-là. Il y a une carte bleue. On va fouiller tous les lits et tout. Si tu veux, il y a un VSS là. Mais le chargeur, il est dans l'autre coffre. Il y a 17 balles. Ouais, je pense que le 9 ça devrait... Ouais, en attendant c'est déjà pas mal. Il y a du fil, nice. Ok, ça c'est bon, je peux l'enterrer. Silver, tu te rappelles du 1$ ? Demande le chat. Ah ouais, je m'en rappelle. C'était énorme. Je en deux tournevis. Du coup, l'appel, je la mettrai en... proche de la ville. Ah, c'est un $1, il était magique. Avec un print. Rappelle, ramène-le, on va se démerder pour l'avoir sur le dos ou un tu sais temps. Où on peut la mettre si elle... Ah non, elle rentrera pas dans le frigo. Elle rentre pas. Hein. Ah, je pense pas. Je pense que tu... dans le frigo, tu peux mettre que de la nourriture, je pense. Hein. Oh, je... Ah, je me trompe de game, peut-être. Je sais que sur Humanis, dans les frigos, tu peux tout mettre. Ah, Humanis, peut-être. Ah, c'est vrai que tu t'es mis à Humanis. Alors, comment tu trouves le jeu ? Nickel. Nickel. Mais ça va, hein? Ouais. J'ai, si tu veux savoir, Greyzone, Project Lit. Ouais. Très bon potentiel. Project Lit, bah je l'avais fait en live. Moi j'avais bien aimé. Ouais. Greyzone, j'ai pas encore fait. J'aimerais bien le faire. Bon, ouais. Ils ont sorti un patch, encore. Visiblement. Ouais, ouais, il faut. C'est toujours ouais. Pas ça. Ouais. Je te le dis direct.
J'ai un collègue qui est... Vaut mieux que t'attendes, va, parce que sinon tu vas casser la tête. Hein. Ah un sac à dos, nice. Ah, ça saccade. Hein. Que de la nourriture dans le frigo, ok, bien vu. Ah, bien joué, merci. Squall. C'est quoi, je vais la mettre ici. Appel. Et vous êtes prêt? Je vais mettre un blueprint. Ouais, je suis prêt, ouais. Je vais juste mettre un blueprint. Peut-être qu'on va la retrouver. Moi, je trouve à manger, hein. Des noisettes, des œufs. Voilà. Bon, je suis toujours en galère, mais... Par contre, il attend quoi pour se soigner, là? C'est long, hein. Normalement, avec tout ça, ça devrait passer, là. Peut-être trouver du tournevis, là. Ah, j'ai trouvé... un outil de crochetage avancé, tu vois. J'ai trouvé du magnésium, moi, si tu veux, Seven. J'ai de la poudre de cacao. Super, magnifique. Le jeu qui se fout pas de ma gueule. Ouais, les ours, on y va. Ah, je vais voir si je fais juste encore ces deux garages et c'est bon. Ça marche. Je m'occupe de les refermer. Attends, je fais le dernier. Des câbles de batterie, un tournevis rouge. On va être obligé d'aller faire un petit peu de facto aujourd'hui. Oui, quelques balles. C'est vrai. On passera les tournevis rouges dans les coffres. Dans les casiers, pardon. Pas mal d'arbres là, hein, qu'on peut fouiller. Ah voilà. C'est pas beau ça. Ah bah voilà, deux pommes. Tu vois. Pas mal. Quand on veut, on peut. Allez, je suis pas arrêté, on se casse. Marmite. De l'huile. La poudre de cacao. Ça se peut se manger ça ou il dégueule direct. Non, tu peux. Encore un outil de crochetage avancé. Putain, je crois qu'il va le conraid, hein. J'ai une pub Durex. Je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est une pub prémonitoire, le chat. C'est, moi, je dis, il va se passer des choses ce week-end. Allez, direction la base, on y va. On va pas s'amuser à rester en ville avec des tournevis. C'est clair. Yo, Zaza et la commu. Ça va, mec? Oh, faire gaffe à Zaza. Zaza. Il peut te balancer un son là d'un coup. Zaza l'escroc. Comment ça va, mec? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir. Tu es venu voir le Scum Bombers? Putain, je suis trop content. Augmenté. Tac. Moi, je suis derrière l'église, si jamais. Ok, enfin, on décale un peu vers toi là, on vient de sortir de la ville. Elle était vers où de nouveau? La base a été vers l'hôpital. Elle était à l'est, mais ouais. Juste là, quand on a esquivé le mec en ranger là, en pick-up, donc ça doit être en face là. Tu peux me montrer la veste? J'ai pas pu regarder, bien sûr. Je vais vous montrer ça. J'attends d'être en forêt, je vous la montre. Franchement, elle est trop belle. Bon, elle est réversible du coup. Côté noir, côté orange. Prochaine postable, je vous montre ça. Ah, le chat il est intouchable. Va falloir faire ta féline, Kero. Salut, c'est fidèle. Je décale dans mon lit avec le stream sur l'ordi fixe. Je pourrais pas parler dans le chat, mais je suis avec vous. Merci, Zaza. A tout de suite. Tout de suite, Cousy. Bon, je vous montre rapido. Hein. Ça, c'est le côté orange. Test, ça me pas.
côté. Hop là. Par les pecs là. Hop. Côté elle est. Tac, un coupon de. Enfin de. La team des développeurs. Fun studio. Avec le petit crochet pour le parachutage. Après, tac, sa mère, ouais. Je sais pas si vous entendez bien, mais. Le train qui les poches. Un bomberse, pardon. Pourquoi, je sais pas pourquoi je dis des deux. Voilà, voici la beauté. Vraiment stylé. Ouais, j'adore. Bon, par contre, je la remets du côté orange parce que, comme j'ai mis le t-shirt noir, ça fasse contraste. Allez, comme ça. Hop là, c'est classe. Ouais, j'adore. Comment on fait pour en gagner? Non, il n'y a que des t-shirts à gagner de temps en temps, mais la veste, elle est. C'est pas possible. Moi, je me suis soigné de mes blessures. C'est le mec qui change de discussion. elle est là, la base, justement. Ah, yes. Je vais prendre les jumelles. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Je vais te laisser mon. Et la porte, elle est pile en face, là. Ouais. Je vais te laisser mon truc, là. Ça. Avec les balles, tu sais, dedans. Comme ça. Elle est très belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tiens. Je te laisse ça par terre. Mon arc, c'est bon. Tu me dis, j'y vais. Hein. Ah ouais, mets un petit blueprint au pire. Si on meurt et imaginer un fight ou machin et qu'on puisse retrouver le truc. J'allais lui prendre son truc justement pour pas que ça reste par terre. Vous me dites quand vous êtes en place, j'y vais. Moi je saute, hein, j'y vais. Ouais, tu vas comme ça. Vas-y, je vais me mettre par là. Là. Regarde juste qu'il n'y ait pas de mine au sol. Tu vois quelque chose? Bah oui, mets tes mains. Des mines là. Regardez la fenêtre, voir si quelqu'un s'y met. Faut pas oublier qu'on avait aussi vu la base devant Airfield. Enfin, non, Factory. Il y avait des mecs à la fenêtre dernier live. Hein. Oh, vous êtes trois. Ouais, on est trois. Vous faites trop de bruit. Non. Mais. Au contraire, faut faire du bruit pour voir s'il y a quelqu'un. Ah, le DT-11B de l'arme que t'as. C'est ouvert déjà ? Ouais. Le DT-11B de l'arme que t'as, c'est une arme de guerre, Silver. Ouais. Mais c'est bien, pas ça. Une base, ça, je me suis fait rouler dans le Paris. Attends, on n'est pas encore rentré, hein. J'ai juste ouvert la première porte là. Et la poudre de cacao, c'est violent. Ah ouais ? Où la porte là ? J'ai bouffé les 15 ouvert, de poudre de cacao. Tout est ouvert ? Je suis presque. Ouais. Et je vais venir voir. Non, il a ouvert, il a dedans, déloc. Je suis dedans. Non, non, je l'ai été ouverte. Ah. J'ai rien touché au déloc. Par contre, elle est. Ouais. C'est vide. C'est vide, ouais. Il y a des récupérateurs. C'est ce qu'il nous reste à faire. Prendre le fly, c'est ça? Il y en a pas, je crois. Non. Je crois pas. J'ai pas vu de flag à l'intérieur. Après, je peux aller vite fait détruire l'autre pour voir, hein, mais. C'est derrière cet arbre, tu vois? Ouais, derrière, ouais. Attends, t'as toujours ta hache, Silver? Oui. Je vais venir la chercher vite fait. Ah, il est là. T'as trouvé le flag? Ouais. Mais. Je peux rien faire avec, c'est normal. En vrai, tu veux vraiment ouvrir texte d'eau? Il y a que des murs niveau 1. Ça nous fait. Ça fait gagner du temps, tu penses?
Un petit peu, je pense, ouais. Vas-y, je vais aller casser l'autre flag, j'arrive. T'as besoin de moi pour Overtake pour ou... casser, Bah, je sais pas, j'arrive à rien faire en fait. J'ai un couteau. Ah ouais. Ah, je vais aller casser l'autre et j'arrive. J'ai aucune interaction avec le drapeau. Coffre dans l'arbre. C'est énorme. C'est normal, on a un drap déjà. Ah oui, c'est vrai, putain, quel con. Ouais, il faut, ouais, bonne idée, couper l'arbre, voir s'il n'y a pas un coffre à l'intérieur. Et du coup, checker les bushs autour. Autour de la base, voir s'il n'y a pas un truc qui a été enterré ou machin. Tu veux récupérer ton pompe, Larly? Tu peux ouvrir tes coffres, même si tu en as déjà. C'est moi qui l'ai, ouais. Ah bon, tiens, je te remets ton stuff. Tiens, je te remets tes balles dans ton truc. Ouais, mais si on overtake un flag, si on en a déjà un, du coup ça se passe comment? Non, je pense pas. Hein. Tu peux pas. Justement, il faut que tu pètes ton drap et ouais, qu'ensuite il overtake celui-là. Ouais. Ouais, ouais, je vais aller le casser vite fait. De toute façon, pour le moment, on n'a rien construit donc. Viens, on se fout dedans. Comme ça, on est un peu safe. Ouais, puis on n'est pas très loin, on dérive pas trop du spot. Bon, c'est dommage, je sais qu'on sera pas visible, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on n'aura pas trop le temps de faire un truc. Ouais, je pense. Ouais, il y a une mine là par terre. Ah ouais? Je crois. Ou alors, non, c'est un. Ah non, t'as une interaction avec? Récupérateur d'eau en canette. Ah oui, c'est le, c'est le truc que j'ai avec vu, la, ouais, la nuit, je le vois tout sombre. On aurait dû venir avec. Pour prendre un peu de stuff déjà, tu sais, les locks, machin. Ah mais non, on peut pas, c'est 24 heures. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et bah écoutez, comme ça on vole la base. Est-ce que ça vaut pas le coup d'aller déposer les tournevis rapidement, juste dans le coffre qui est pas plein, dans l'autre? Ouais. Parce qu'on va pas non plus aller attaquer le, la grosse grosse base aujourd'hui. Trop compliqué. Les mecs campés aux fenêtres et tout. Ça tombe bien parce que tu sais, il y a un étage. Mm-hmm. Et à chaque déco, on peut péter l'escalier, tu vois. Là, c'est un étage. Il y a qu'un étage ou il y a deux étages? Non, il y en a qu'un. On en fera un de plus. Pas rapide. Merde, faut que je retrouve le flag Saras. Il y a un t-shirt orange là. C'est vous ça? Bah le flag il est là. Non. Il y a un t-shirt orange collé à notre drapeau au sol. Ouais ouais, c'est moi, c'est moi. Ah ok. J'ai oublié de le couper. Ok ok. Bon, le drapeau je l'ai détruit. Essaye de voir si tu peux overtake là ou s'il faut que je sois là. Non, je pense qu'il faut que tu sois là, ouais. Ça marche pas. Ok, bon j'arrive. Ah bah non, ouais, je me rappelle. À l'époque tu pouvais tout faire. Enfin les mates pouvaient faire. La relie passe vite fait en ville, récupère la pelle et va poser tes... Ouais, c'est ce que c'est prévu, ouais. Ok. Que j'aille en ville. J'arrive. C'est prévu, c'est prévu. On va se faire tranquille. Un petit facto. Faut faire gaffe qu'il y ait des mecs l'autre jour dedans. C'était ici, je l'ai mis. En bas en main. J'arrive, Silver. Hein. Ouais, vas-y, 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 tranquille. On peut gratter un début de base. Pas toujours ça de prix. On a du mal à monter. Hein. Bah depuis que j'ai bouffé le cacao, ça va. Là j'ai un peu de farine, t'en veux? Non, non, je vais aller, tu sais, il y a un champ là. Okay. Je vais aller dans le champ. J'essaie de pas boire l'alcool. Et l'arbre. Comme ça, on verra s'il y a un coffre dedans. Le système de un flag par team, je trouve, est toujours autant débile. Ouais. Ah déjà... on devait parler de choses débiles dans le jeu. Des trucs, voilà quoi. Hein. Vous pouvez virer ce shop, nom de Dieu.
crois que par la suite ils vont mettre une option où tu pourras, ceux qui ont les serveurs, le supprimer ou le mettre. Tu vois. Ouais, mais bon. Ouais. C'est pas le fait qu'il y ait l'option que ça me rassure, tu vois. Et qu'il existe tout court, même par exemple pour ceux qui jouent sur des serveurs officiels ou autres, bah peut-être t'as pas envie de te faire chier avec ces shops de merde, tu vois. Ah bah le shop, on lance une pétition. Tiens, un petit vote, le chat. Slash PO2L. Le vote, c'est qui aime les shops dans Scum. Enfin, aimez-vous les shops dans Scum, oui ou non, et j'ai envie de voir les votes, tiens. Comme en plus c'est anonyme. Où les flags là? Ah, les flags de. Blueprint? Ouais. Et le flag il était où? De l'autre côté? Ah. Ouais, de l'autre côté, ouais. Tout le tour. Ça sent le piège là quand même, non? Non, je suis allé. Y'a rien du tout. Ouais. Je suis où là? Bon, bah c'est parti, hein. Prendre le contrôle du drapeau. Ah. Bah, en vrai, c'est vrai qu'on a déjà un tour de mur, ça fait gagner du temps. Hein. Après, c'est vrai qu'il a été mal fait parce que t'as des murs de 1 mètre et tout. Mais bon, rien n'empêche de refaire un mur devant. J'ai aimé le shop dans Scum. Allez-y, votez, vous avez une minute pour voter? J'adore le non, c'est de la merde. Ouais, et le oui, vive le capitalisme. Ah putain, le chat, il est fort. Bon allez, on se casse. C'est très, très, très drôle. En vrai, on aurait dû fabriquer une mine et la foutre avant le flag. Ça va peut-être dissuader quelqu'un d'aller au Vertec, tu vois. Allez, on rejoint la relie, direction Facto. Facto, il y a du monde. Il y a la base en face de Facto aussi, non? Bah ouais. Et tu voulais la raid? Non. Les mecs sont... les mecs dedans. Stuff T3. Ouais, c'est chaud, hein. C'était en T3, la base, hein. Ah, les murs autour, ouais. Je crois, ouais, il me semble, hein. C'est même mort, hein. À peine ouais, orienté, ce vote. Oh, trois fois rien. Oh putain, il y a déjà 8 votes. Non, c'est de la merde. Ok. Allez-y, votez, c'est gratos. C'est anonyme. Est-ce que vous, dans Scum, pour ceux qui connaissent le jeu, est-ce que vous aimez le shop? Oui ou non? Là, c'est à peu près 7 minutes pour voter. Allez, on refait une petite prédit, le chat, en attendant. Parce que t'es chaud. Tant qu'à faire, après, on peut te mettre au chômage technique. La prédit, est-ce que ce soir, on fait un kill? Oui ou non? Non, on va faire différemment. Ah, je suis tombé dans les pommes. Bah bravo. Avec les tourne... Ah, pendant que t'étais en train d'éterrer. Non, non, j'avais déjà tout mis dedans. J'allais enterrer, mais... Ok. Je vais te donner de la farine dès que tu te réveilles. L'après-dit, c'est ce soir, est-ce qu'on kill ou on meurt en premier? Go raid l'autre base. Non, c'est du suicide. On ira quand on sera avec Mac. La poudre de cacao, elle m'a remonté à 50%. Hein. J'étais à 2. Ouais, la poudre de cacao, j'ai bouffé les vins, ça m'a remonté trop bien. Ah ouais. Je sais pas si t'en as mangé toi, Seven, mais... Ah, j'ai mangé ma boîte. Ah ouais, je suis à 74. Ça t'a remonté autant ou... Ah ouais, je suis à 74. Là. Bon après, j'ai mangé un peu de fruits et tout en attendant. Là, j'ai un peu de farine, mais je vais te donner un peu de farine, mec. Ça va te... J'ai un peu de noisettes. Ça va m'enfariner. Ah, attends. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ça remonte. Oh putain, je pensais que c'était un mec. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'attendez, j'ai deux coups de tournevis rouge, je vais aller vite faire au Comico pour passer les deux coups. Bon, tu peux en avoir plus, tu veux, j'ai quatre coups sur moi. Vas-y, hein, go. T'as mis les sous dans ton compte là? Il y a un distributeur ici. Ah, hein.
Ouais, ouais, je les ai mis 150 balles. Waouh! Wow. Merci. Tiens, j'ai une petite épine aussi, si t'as besoin. Ouais, c'est good. On va aller fouiller tous les lits du Comico. En général, en tout, ils ont des thunes. Ouais, c'est connu, ils prennent l'argent du braquage avec eux. Ah oui? Dans leur slip? Merci le chat. Ce soir on kill ou on meurt en premier. S'il se passe rien, évidemment la prédit est annulée. Alors sur les deux premiers casiers, qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Y'a rien. Ah bah. Bienvenue. Je vais me garder des pins sur moi si je trouve un tournevis noir. Je te jure, j'essaye la base. Vas-y. Je viens de trouver un chargeur d'AK par terre. Bon, ça te prie, hein. Limite, il y a plus de loot par terre que dans les coffres. Il n'y a rien. À mon avis, ça avait été fait juste avant le reboot, c'est pas possible. Je peux pas ouvrir trois casiers sans rien. Tiens. 9000 mètres, Bushman. Passe de coup. T'as besoin d'un Bushman Silver ou pas? Ouais, vas-y, je suis preneur. Cadeau. Ce sera toujours mieux que le couteau de cuisine. Ah oui, tu m'étonnes. Le Bushman, c'est le meilleur couteau. Hein. Un short de Deagle 300. Ah, il est beau, hein, ton cuisine. Chargeur de Deagle 357 que personne veut et y'a rien. Je vais les tuer un Z pour faire du fil pour les aiguilles. Enfin, faire des aiguilles pour le fil, pardon. Voilà. Ah putain. T'as vu ça? Je fais pas de bruit. Y'a les Z qui s'énervent. Il va faire respawn une horde, tu vois. On va regarder si je trouve du maïs. Et on va fouiller tous les lits silver, je pense qu'il va y avoir de l'oseille là. N'importe quoi. Bah oui. Tout à fait. Ah, ces Z, c'est vraiment l'enfer. Hein. Pour le casque, quand il mute pour Silver. Ah, ouais, pardon. Les merdes, je suis coincé. C'est bon. Voilà, deux poires. Ouais, c'est vrai qu'il y a un casque anti-émeute dans un des coffres, c'est bien. Enfin, ça t'intéresse. Ah ouais. C'est petit rollback là. C'est relou. Ah ouais. Petit rollback. Ce qui est bien, c'est que je cherchais des aides pour faire des aiguilles, c'est bon. J'ai un fusil à pompe là. J'ai trouvé un fusil à pompe si tu veux. Encore un advance. Ça sent le raid. Ouais, va essayer d'ouvrir les coffres que j'ai ouverts. Il y en a un qui avait un casque dedans.
Un tournevis rouge. Oui, un tournevis. T'as fait tous les lits? Ah non, non, j'ai pas fait. Il y a eu les aides qui sont venus nous faire chier. Qui sont venus entre temps. Ouais, vas-y, il y a des aiguilles au sol, je vais pas me faire chier. Je vais faire deux kits de couture. Bah, il y avait que des pauvres hein, dans ce taux là. Putain, ils m'ont infecté direct. Ils m'ont hémorragie direct infecté là. J'ai un chargeur d'AK ici. Et y a encore un tonfa. Nice. Est-ce qu'on se ferait pas. Vous avez des carquois les gars ou pas? Non. Vous en faire chacun. Je viendrai les chercher à l'étage. T'avais un sac à dos, Silver? Ouais, un petit sac. Ouais. J'ai un petit sac rose. Un carquois en pot. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ah, y a de l'oseille là. J'en avais trouvé un. Hein. $39. Oh, j'arrive. Le début de la richesse. Ouais, je vais être riche. Je le répare. Ouais. Attends, je vais te les mettre par terre. Il y a une pièce d'ailleurs au sol. Merde. Tiens, les sous, je les mets juste là. Comme à chaque fois où tu veux faire un carquois, t'as la peau qui est partie en couille. Elle est là, pardon. Tiens, prends le carquois. C'est hein. Toujours cool. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, on pourrait faire un sac à dos, ouais. On pourrait. Tac, on va d'abord faire les carquois, on fera les sacs à dos au prochain tour. On va essayer de faire autre chose que de... PVE. Tu me fais un sac, des chaussures. T'as pas une paire de chaussettes? Tiens, fais-moi un sac à dos. Mais oui, techniquement, t'as quand même raison. On est d'accord. On est d'accord. Hop, putain. J'ai éternué comme un con. Pour PVT, avant tout, il faut du stuff. Effectivement. Et bon, à mon avis, si tu lances des sacs à dos à la gueule, tu vas pas aller loin. Non, mais je te taquine, t'as raison. Ça, c'est good. Mais non. Il est où, la relie? Tiens. Il est dans le... En train de pisser dans le... $191. Ça monte, hein? Des cadeaux. Et tu m'as dit que t'avais trouvé un pompe du coup, Harley. Ouais, ouais, ouais. Il l'a jeté. Non, non, il est là. Si tu veux, je te le donne. On en trouve pas mal. Ouais, des... Vas-y, vas-y. Ça peut toujours servir. Tu m'as donné quelque chose Ah oui, je t'ai jeté le carquois au sol. Il est où? Ah, là où t'étais en train de pisser. Ah bah, je le vois pas. Ah bah, moi non plus. Ouais, j'arrive. Je ne pas sur moi. Et c'est peut-être parce qu'il est à l'extérieur de la, du truc, ah, tu le vois pas au sol. Il était à l'entrée. Oh, t'as quoi comme fusil à pompe Ah ouais, il est dehors. Ah yes. T'as quoi comme fusil à pompe, Silver? C'est un M1887, tiens. Tiens, Silver. Je viens de looter ça. un petit un SDAS. Ouais, prends le SDAS, c'est mieux. J'avoue. faudra juste que j'ai des balles après et puis basta, ouais. Ce sera tout. Je peux te filer ça en attendant. Tiens, je peux te passer 2-3 balles aussi. Hop. On est arrivé. Hey, on est full stuff hein. Silver, fusil à pompe, pistole, ça y est hein. Allez, let's go facto. Vamos. Tiens, tu veux un peu de farine? Tiens, mange de la farine, toi. Ah, c'est bon, c'est bon. Je suis à 22. Ouais, mais c'est pas bon. Moi, je suis à 100. Ouais. Ça, ça fait du plâtre. Là, t'es tranquille pendant un live. À part le véhicule, c'est calme, hein, quand même. Hein.
Et pourtant, il doit y avoir des bases dans le coin parce que. Eh, va savoir si c'était pas les mecs de la grosse base qui étaient en véhicule. Ah, c'est impossible, possible ça. Hein. C'est pas impossible ça. Hein. C'est vrai. Bon, j'ai essayé d'organiser pour lundi un petit giveaway ou deux. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne si vous n'êtes pas follow. Ceux qui sont déjà follow, n'hésitez pas à être là. Je vais essayer de vous faire gagner une clé scum, un petit DSL pack ou truc dans le genre. Je vais essayer de vous faire gagner un petit truc. Évidemment, quand ça sera le t-shirt, je vous le dirai pas. Ça sera comme ça fait au hasard à un moment aléatoire pour faire un petit plaisir. Petit t-shirt scum. Et ben voilà. Ils ont trop déculé. Ah bravo. Voilà, j'étais à 100. Elle a dégueulé cette cote. Pardon. Ou j'aurais pu dire ce con, hein, c'est pareil, hein, je parle du personnage. Hein. On mangera plus tard. Hein. Ça vaut pas le burger, ça. Bon, si on n'arrive pas à overtake la base, je sais pas si au final on fera une base. Ouais. C'est le chocolat qui est pas passé, ouais. Ici, on va faire une petite session build, ça va vite. Hein. À 4, laisse tomber. Trop de magnésium. Voilà. Exactement. C'est vrai que les mécas, ouais. On va faire genre. Comment on fait pour le give truc? Bah pour le moment, il n'y a rien. Mais quand il y aura un giveaway, je ferai un petit tirage au sort. Il y aura juste à participer, mais il faudra être attentif. Donc, je sais pas si je le ferai sur le live en direct ou sur le Discord, donc au cas où. À l'occasion, on sait jamais. On va essayer d'organiser un petit stream 12h, un de ces quatre quand même. Il bah, te reste du fil, Seven, ou quoi? Moi j'ai du fil. Ouais. Enfin, avec l'aiguille pour coudre mes chaussures parce que... Tiens. Elles sont à 2%. Là, chez moi. Après. Ah, c'est bon, j'en ai. Ah, ok. Nickel. Merci. Est-ce que les fils se stackent enfin, pour faire encore plus de fils? Je sais pas, ça. Non, je crois pas. Bon, les gars, on va essayer de pas crever. Et puis, il reste maintenant, tu veux que je te les passe ou... Non, garde. On va passer de ce côté-là pour pas rentrer du côté de la base. Monter sur le. Ouais, je suis passé par la porte, on va faire les deux hangars, on va faire le bâtiment aussi de droite. On va essayer d'être un petit peu discret, on va essayer de la jouer sérieux. Et là en fait comme on joue pas régulièrement, il faut pas qu'on perde de temps à mourir bêtement. On peut pas se permettre. Parce que pendant que nous on fait un live tous les 3 jours, les mecs ils jouent peut-être tous les jours donc. Je peux prendre des fils différents pour craft un fil. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, donc, je vais garder les 7 unités qui me restent. Je laisse refermer les deux portes vers nous. Le premier, je vais au deuxième. On va essayer d'être discret quand même. Oh, rien du tout. Discret, c'est quoi ça? Ouais, je sais pas. On m'a dit que c'était bien et on faisait ça dans le jeu. On m'a pas trop expliqué comment on faisait, donc du coup, bah, j'utilise le terme comme si je savais, mais ça me dirait. Fais un peu de... Il m'en est rien. J'imagine si les mecs jouent en face, ont une base en face et qu'ils doivent jouer quand même facto. Faut faire vachement gaffe. Merci Armand en tout cas.
On peut refaire des marbles pour les giveaways, c'était fun. Ouais, il y a un moyen. Ça marche que sur Twitch, donc... Mais merde, je vais être court. Je vais être court. Non, oh non, il est loin. Non, je suis passé de l'autre côté. Mais c'est un cul-de-sac ici, ça sert à rien. Merde. De refaire le tour. On est d'accord que si le mecha te bute, c'est compté comme une mort. Mais non. Commence pas à tricher. C'est est-ce qu'on tue ou on se fait tuer? Évidemment, ça marche pas si tu tombes dans les vapes, si tu te casses la cheville, si tu mords d'une diarrhée fulgurante. Ça, ça compte pas quoi. On parle de fight quoi. Oh, un M9. C'est quelqu'un a été vu là. Ah, c'est pas moi. C'est la relie. Non, je suis derrière un mur. C'est toi, Seven, travers la vitre, je crois. Ah, il est ouais. Ouais, ouais, il te tire dessus. Oh, c'est de la mauvaise volonté ça, je sais pas. Voilà, je voulais qu'on ait un petit peu de fight quand même. Et s'ennuyer, tu vois. Il revient, ce con. Il est totalement bugué. Ça, c'est comme l'autre jour à. Le truc de BP est tellement bugué. Genre, je suis à 123, je suis au bout de ma life. Je vais mourir, les gars. C'est pas possible. Des aides ou pas? Ouais, c'est moi et un bibi derrière le mur. J'espère qu'il ne traverse pas, c'est tout ce que je veux. Pas possible ça. Mais en fait, je suis encore dans un cul-de-sac, ça sert à quoi de venir ici là? Mais je vois rien. Quelqu'un a été vu encore? Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis. J'ai un mur devant. C'est moi, c'est moi, c'est moi. La bite, il faut bugger le mecha, il tourne dans tous les sens. Discretos. De toute façon, plus on est de con, plus il y a de bruit. Mais il est encore focus sur... Il est revenu là où t'étais quoi. Ma gueule. Putain, y'a un bip bip, il t'en veut. Ouais, ouais, il m'en veut. Ouais. Je veux juste qu'il traverse pas le mur, c'est tout. Ah, y'a un qui s'est tiré dessus. N'importe quoi. Ouais, t'es tiré à travers les murs. C'est pas possible. Nom d'une pipe. Et pourquoi ils m'ont envoyé un bomber sur les Dev Scum? C'est pour être aussi patient avec un jeu aussi buggé. C'est... En fait, dedans, il doit y avoir des, tu sais, des... Il a été fabriqué avec des huiles essentielles anti-stress. Ah, je me sens tout de suite mieux, là. J'en ai marre. Il a vu mes cheveux. Ça va. C'est sûr. Où le mecha? Là il est. Je suis en train de faire la salle principale les gars. Je viens de trouver deux chargeurs d'HSF 19. Mm-hmm. Voilà, on peut repartir, super loot. Qu'est-ce qui se retourne? Oh, une autre pelle. Ouais. Un râteau. Super. Des gants en latex. Je vais les prendre. Sur, je vais en prendre des gants au cas où. Hein. Une vis rouge.
qu'il y a dans le truc principal, ça n'a pas été looté par les mecs d'en face. Hein. Ouais, tu... moi je suis en haut. Ah, t'es déjà en haut là? Ouais, ouais. T'as des tournevis rouges toi ou pas? Non, j'ai rien. Moi j'ai deux coups de tournevis, je vais essayer de les passer. J'ai laissé tous les tournevis. Toi, t'as bien fait. Ouais, je m'en vais. C'est pas moi aussi. Ah, c'est pas moi. Oh le fils de pute. Ah, allo allo. La team Twitch. Oh pardon. Oh il m'a mis dans le mal. Non il déconne pas là. Le bomber s'il fait des rollbacks. Toi tu le mets et tu l'as plus quand tu l'enlèves. Ouais il va faire un rollback. J'ai le bomber aujourd'hui, demain il va retourner dans les studios Scum. Tu vois ce que ça fait un rollback IRL. Hop. Waouh, je suis venu ici pour trouver des boulons. Ouais, une petite plaque de cuisson. Waouh, super. C'est énorme ça. On est venu ici pour ça. Ouais, c'est ma vie. Ah, c'est moi. Ouais, vous bah, c'est moi. Je suis pas le plus bouillant. Hein. Petite pelle. Là, il faut ramasser, les gars. Y arriver. Ah, une horde. C'est chez qui ça? Pas une horde, juste un Z normal, je pense. J'ai entendu une horde, moi. Y'a pas de rollback avec Toursaf. Quand tu payes, ça revient pas. Jamais. Jamais. Putain. Secteur de métaux. Chargeur d'AWM. Je trouve comme qu'on n'aura jamais. Les balles qu'on n'aura jamais. Ah, une hache. Je prends ça ou pas? Putain, j'ai pas de place. Tout en haut. Faut prier avec moi de trouver un tournevis noir. J'ai deux unités de rouge pour essayer de les rendre efficaces. Bon, j'ai pas pris la hache, j'ai déjà une petite sur moi. Là. La Tenor's Axe là. T'as tout... Là où je suis, t'as tout fouillé, on est d'accord. Hein. Ouais. Allez, on va ouvrir les deux. Tout pour Nevis. Ah, le loot est pas dingue, hein, franchement. Ah, c'est 3,38, ouais. Ça, c'est good. On va ouvrir celui-là. Allez. Ici, on a rien. Et ici, une boussole. Bravo. C'est beau. C'est beau. Quelqu'un a besoin d'une boussole? Non? Oh! Ah non. Ou un pompe, mais. Chargeur de Hunter Carbon. Ça fait partout là où je suis? Ouais. Ah, je pense pas. Il y a un fusil à pompe et tout. Ouais, ouais, je l'ai pas pris celui-là. Ok. Je l'ai pas pris, ouais. Comme ça tout fait, on se casse. Hein. Ouais. Il y a des Z qui gueulent encore. Oh, ils sont vers moi. Ouais, ils ont commencé à passer les murs extérieurs T3. Hein. Le mec de la base.
Bon, bah let's go. Hein. On va aller voir en face, c'est l'autre couloir là-bas. Ouais, bien sûr. Tiens, une boîte de pompe. Trop bien. J'ai juste pas envie de me faire tirer dessus par la base d'en face là. Ah, ils sont pas là, ils ont pas coupé l'arbre. Quelqu'un fait le gros hangar en face là. C'est moi. On va faire le... Je vais faire le hangar là-bas. Là. Ah, le hangar là. Ouais. Franchement, quel stuff de paysan n'empêche. Ouais. Une pelle, vous allez me dire. Waouh! Wow. Ouais, il a éclaté le doute. Hein. Hop, 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 hop. C'est pas avec ça qu'on va faire du PVP, les gars. Hein. Ouais. De protection, c'est un nouveau truc, c'est de la merde, non? De quoi? C'est l'équivalent du pare-couteau, hein, je pense. Allez, le mec, c'est quand tu veux? C'est qui? Quelqu'un qui est là-haut, c'est toi. C'est moi. Non, c'est le pare-balles policier, il est super joli. Ah, ah je peux pas le voir, moi. Il est sous des couches de fringues, je le vois pas du tout. Ça donnait quoi le vote du shop? J'ai pas vu, merde. 10 pour c'est de la merde, je crois. Ah ouais? Ouais. Pardon. Et bonne 0 pour. Bonne nuit, Agnès, bonne nuit. Oh. Ah oui. Le vote. La sentence est irrévocable. Bugué, je crois, les deux. Un autre, il reprend son chemin, évidemment. Moi, du coup, je peux pas bouger. Je pense que je vais faire comme la relie, hein. Je vais pas me faire chier. Direct. L'atelier n'a pas été fermé, ça serait un truc intéressant à prendre. Tu le fermes et tu mets un dialogue ici. Avec la ronde des mechas et tout. Ah, je suis fait le gros bâtiment, je vais faire les petits. Ah, une pelle. Dans le troco. Allez les gars, on y croit le... Putain mais le loot. Ah, pas moi. C'est moi. Putain, putain chacun son tour. Hein. Ah, moi j'ai ouvert le bal, hein. Je vous ai montré, c'est bon. Maintenant vous avez compris, vous pouvez arrêter. C'est bon. Ouais, très compliqué le loot, hein, franchement. Ouais, franchement, j'avoue. À part 2-3 vieux fiapompes, mais les plus pourris du jeu en plus. Ok, j'ai eu un Zaz parce que j'ai ouvert un casier, mais sinon. Des lunettes de moto, ça. Voilà. Magnifique. Un phare de ranger. Super. Un bonnet quoi. Bon, dans les garages, je peux y avoir des tournevis.
toute la chance qu'on a. Là. Ah bah tiens, il t'a dit stop. Pas moi. Il y en a un qui rigole donc. Ah c'est pas moi, c'est Seven. Ouais. Ça va donc ouais. Plein sur toi. Ah ouais, c'est le mec qui m'a vu de l'autre côté quoi. C'est pour vous aider à lutter les gars. Oh, arrête putain, c'est quoi ce méca de merde. Là c'est moi. Chacun ouais, son couloir. Ah, cette équipe de bras cassés. Putain, est... Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, tu vois. On est nuls. Allez, avec ces cadeaux. Ah, c'était cadeau. C'est offert par la maison. Bon bah airfield hein. Il y a le temps, c'est le time. Ouais, on a une demi-heure. On attend de... Au pire on peut se décoller là-bas. Que de la merde. On peut finir de faire l'entrée principale là mais. Oh, faut me faire voir là. Oh putain je me sprint tête. Je me sprint tête. D'un joueur ? De la base. Je me sprint tête. Aha. En sortant du hangar côté de leur base. Et t'es sorti par la porte principale ou Non, la porte d'en haut, tu sais, la petite. À la fenêtre, en gros là. La porte. Ouais, je vois. Celle-là là, ouais, là-haut. Ok, il nous campe. Hein. Il est pas tout seul le mec. Hein. Je pense que la moitié du serveur sait que vous êtes là. T'avais quoi comme arme importante là-haut ? J'ai esquivé une balle, ouais, j'ai vu. J'ai entendu même. J'avais mon. TT-11. Ouais. Alors je sais pas si je fais C1 ou B1. Je dirais C1. Parce que comme t'es en B1 limite C1, en B1 il va te foutre tout en bas, tu vois. On essaie de récupérer son stuff. Ouais, c'est mec... pas loin. Seul à avoir voté mort. Ah ouais, l'enculé, pardon. Bravo. T'as raflé tous les points de chaîne. Ils étaient 5 à avoir voté qu'on allait faire un kill. T'étais le seul à avoir voté non. Bravo. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attend que tu reviennes. T'es où, Silver, toi? Dans le grand entrepôt là, qui est juste. Les mecs, ils sont pas marrants. S'ils sortent pas de chez eux, ça sert à quoi? Ah oui. En fait, la journée ils farment et le soir ils campent. Ils campent. Je suis pas loin. Hein. Je suis à 2 minutes au nord. Mec, bon, ils sont quand même stuffés parce qu'ils ont snipe lunettes. Hein, on avait bien compris. Ah, c'est pas sur moi que ça tire. Hein. Ah, c'est pas sur moi non plus. Sur moi, il y a des mecs sur moi. Des mecs ? Ouais, 2. Mon fils. Ils sont dans le bâtiment ? Il n'y avait pas de thune en plus. Ouais, ils sont dans le bas où je suis. Et t'étais au rez-de-chaussée ? Ouais. T'avais ta carte sur toi ? Ils sont combien ? Ouais, parce que... Pour toi, ils étaient 2 ? Et il y en a encore un qui snipe. Ouais, ils étaient 2, j'ai vu les 2.
Ça va être sympa. Au 1911 avec un chargeur. Au niveau de la petite porte qu'il y a sur la gauche du bat. Ah, ils étaient là où j'étais, moi ? Ouais, dans le même bâtiment. Ah, merde. À mon avis, t'as toujours le snipe chez lui et deux mecs qui sont allés... C'est ça. Je vais voir s'il venait fouiller ton corps, tu vois, je suis en train de... Cover, là. Bon, un gros par des aides. Mec, il était en train de s'allonger, en train de prendre te looter. Ah putain. Chier. Bon, ça va, c'était rien de ouf non plus, mais. Ils sont rentrés par où, Silver, tu sais, toi ? Bah, visiblement, le mecha, il devait être dans mon bac. Donc, ils ont dû rentrer par l'autre entrée et puis tracer. C'est juste derrière. Heureusement que j'ai lâché les tournevis hein, à la base. Y'a un mec qui est longé, je sais pas comment il est stuff. Putain. Je l'ai vu avec les jumelles. Il est derrière la porte, regardez, on le voit bugger. Ah ouais. Derrière toi, hein, si jamais. Ah, c'est toi qui arrivais derrière ? Ah ouais. Putain. On le voit dépasser. C'est mon corps, à mon avis. Je crois que c'est mon corps, ça. C'est qui est bugué derrière la porte. Le problème, c'est que je suis hyper visible. Ouais. Pas simple, hein. Ils sortent de leur base, du coup. Ouais, du coup, là, ils sortent. Il y en a qui s'est fait voir. C'est moi qui tire, mais... Pas loin où je suis, mais bon. T'es sûr que c'est sur toi ? Ah, la porte est ouverte, non, de nouveau ? Ouais, il sort. Il vient de sortir, il court vers leur base. Les deux ? Au moins un. Et l'autre, il y en a un qui court vers toi ou c'est toi qui cours ? Ah, c'est moi. Ok. J'ai pris une tête. Je sais pas d'où il m'a tué le mec. Bien joué. Il doit y avoir un autre mec quelque part et... Il y en a un qui est sorti. La base.
Il a dû se poster ailleurs le deuxième. Il m'a pas touché de la base, j'étais contre un mur. Bien joué, bah les mecs sont stuff. Hein. C'est plus facile quand t'as une lunette et que quand tu joues avec un 1911. Mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. C'est nous qui avons cherché, on a fait du bruit, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Je vais pas faire un spawn. Ouais, si, il faut faire un spawn secteur. Bah du coup, monte dans le bâtiment en speed. Parce que le temps que le mec il snipe, tu peux récupérer mon stuff. Il était pas trop loin, la relique. Non, je suis à côté. J'ai sur moi au moins le pompe et le gun qui tire. Ça, c'est fait. T'étais où ? Deuxième étage, au moins. Mais comment il a fait pour te snipe, en fait ? Je sais pas. Peut-être que le mec, il est dans la pampa. Enfin, dans le coin là-bas, je sais pas. J'ai fait exprès de pas me mettre vers les fenêtres qui donnent vers la base pour pas oui, que les mecs me voient. Toujours des petits bugs quand tu spawns. Bon, je suis pas très loin. Ça, c'est fait. Ouais, grave, franchement. T'avais des balles dans le pompe? Ah ouais. Pompe prêt à tirer, le gun prêt à tirer. Par contre le gun c'est tu recharges et j'avais des balles un peu sur moi mais pas grand chose quoi. Ah, moi je pense comme le chat, ouais, il devait être dans l'entrepôt d'en face tu vois. Bah je vois, ouais peut-être. Je vois pas d'où mais peut-être. C'est pour ça que je regardais discrètement avec les jumelles mais en même temps on voit pas grand chose, il fait nuit. Après c'est bien joué, hein. T'en as un qui bien. Snipe et les autres qui ramassent. Je pense pas qu'il t'ait vu toi, profites-en. Non mais, moi je suis dans le bat encore là. Oui bien sûr. Pop C3 du coup. Ouais, ça fait un peu loin. Elle va venir. Bah d'ailleurs, reste en C3, Silver. Essaye de jouer, si tu peux ce week-end, une petite heure pour aller au shop avant C2. Et toi, 4-5 000 max, histoire de pas avoir trop de temps. Ouais, j'avoue. Et après, tu nous rejoins pour le lundi soir sur la case. J'avoue, au moins comme ça. Par contre, quand ils vont voir nos stuff, ils vont rigoler là. Alors, c'est quoi ça? Je pense que tant qu'on n'aura pas un peu de stuff un peu mieux, vaut mieux pas venir looter facto. Ouais. Venir à Airfield. Un petit peu moins risqué. Ils ont patché les arbres qui disparaissent quand on les coupe. Je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas coupé le leurre. Enfin, qu'on le voit affiché. Ah, je sais pas. Ouais. Le bouson porte-malheur, je peux t'en débarrasser si tu veux. Ouais, j'hésite. Je te tiens au courant. J'ai un mec dans le bot. Ouais. C'est possible. Je suis plus très loin. Hein. Je vois Facto là.
compagne, je vais servir d'appât. Comme ça, si t'es... Toi, t'as... de toute façon, t'as pris l'arme, là. J'ai tout pris de chez toi. Ok. Je vais faire le lapin. Mais du coup, moi, les amis, je vais vous laisser là, parce que j'ai la petite qui vient de se réveiller. Pas de soucis. Ah, ouais, ça marche. Comme ça, je vais en profiter, je vais aller m'occuper, yes. M'occuper d'elle un petit peu. Bonne nuit, Silver. Merci encore. GG. Yes, bonne nuit. Eh bien, merci à vous, et puis de toute façon, je vous dis... À lundi. Prochain live, un lundi, ouais. Allez, des bisous à tous, bisous à tous, yes. Sur le live. Bonne nuit, ciao, Silver. Ciao, ciao. Ah, je suis vers. Ouais, je vois où t'es, ouais. Les premiers box. De quoi je vais courir? Y'a quelqu'un, je. Quoi qui tire? Non, non, on me tire dessus. C'est toi qui cours là? De chaussée là. Ouais. S'il y a personne, on trace. Hein. À mon avis, il est en face le mec là. Il y a quelqu'un? Non, non, je sais pas, ah. Je cours partout. Je check. T'as pas entendu de porte depuis tout à l'heure? Non. Fais gaffe, hein. Et j'en ai vu un. Là où j'avais mon stuff, je crois, il me tirait dessus. Stuff. Non. T'as combien de j'ai un flingue? Moi 5400. Et on descend, on trace, hein. Non? Ouais. Jette un gun après dès que tu peux. Tu me dis vers où tu l'as jeté, comme ça je le ramasse en passant. Ouais. Là. Je te le jette là. C'était quoi comme. Il tire pas celui-là, c'est le 1911 qu'il me faut. Ah, mais j'ai rien d'autre. Il a pas ramassé. Ah, il a dû rester en haut. J'y vais, j'y vais. La cour. Ou c'est toi? Non, c'est moi. Ouais. Il t'a vu toi? Non. C'est pas moi qui l'a vu. Y a un mec dans le hangar principal. Hein. Quel hangar? Le principal, là où j'étais? Celui du milieu. Non, non, l'autre. Ah, le gros, le tout gros. Et là, il y en a un aussi dans celui où tu t'es fait buter. Arrive le Z. Le mecha. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer là où il y a le ciment. Oh putain, je me suis fait avoir. Ça tire. C'est moi. Il m'a tiré dessus, je suis pas bien. Il va passer par la porte principale, par l'autre porte. Il a ouvert. Ouais, ouais, les mecs sont très forts quand même. Très très ouais, bon. Reste fait aussi. Très très bon. Parce que j'ai pas bougé, j'étais derrière toi un petit peu planqué, mais j'attendais qu'il ouvre la porte. Mais moi je pouvais rien faire avec le Stas. C'est mort. Salut Mitch. Mitch. Bon bah les gars, on va avoir plein de choses à faire au prochain live. Hein. Là on va juste respawn secteur. Ouais, ça joue. Franchement, ça joue. Hein. S'ils sont légit, ils sont très bons. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est ça stuff. C'est pas du... c'est pas du SDA, c'est du 1911.
Ouais, ils sont grave chauds, ça fait plaisir. Non, c'est nice, c'est nice. Ça fait. C'est pas eux qu'on va raid tout de suite parce qu'on n'a pas du tout le stuff, mais vraiment pas du tout le stuff. Je vais faire un respawn secteur en attendant. Je vais plutôt aller en B1 du coup là. Ça sert à rien d'y retourner. On a essayé, hein. On a essayé, oui, bah oui, ouais, ça fait partie on a essayé du... quand même. Ça fait partie du jeu. Partie du game. Là où est-ce que oh, je suis pas loin. Moi non plus. Parfait. En fait, je suis. En de la ville. Ouais, moi aussi, à la petite fermette là. Si vous rentrez chez eux, vous êtes full stuff direct. Non, mais si on est rentré chez eux, on a du stuff pour toute l'année là. Bon, ça, c'est refait. Ouais, c'est fait. Et bref, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Bon, bah voilà, c'était un épisode qui remet les idées en place. Putain, attends. Arrive un petit peu. J'ai une émotion. C'est quoi ça? Oh! C'est quoi ça? J'ai ouvert le parachute et l'autre elle s'est suicidée. Mais c'est magnifique! Mais c'est magnifique! Il va y avoir un montage là-dessus, mon gars. Hey. Je t'ai vu en plus hein, avec le parachute à ma gauche. Pipit! Pipit! Le rebond, j'ai jamais vu ça. La balle en caoutchouc, c'est. Bon bah. C'était cool. Je pense que je vais même pas. Je pense que je vais même pas respawn parce que vu la chance que j'ai. Putain. C'est pas un arbre le truc. C'est... Je suis tombé. Au début, je voulais viser le pylône électrique. Je me suis dit non, ça va bugger, je vais crever. Là, j'ai pris un arbre. Il était totalement bugué. D'habitude, ça fait pas ça. Mais bon, bref. C'est quoi ça? Ça s'appelle Bienvenue sur Scam. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà quoi. Allez, un petit respawn pour la route. Bisous l'arbre. Magnifique, magnifique. Et là, bah, évidemment, quand tu respawns à côté, juste après, tu respawns à côté. Allez, on retente ou pas? Bon, en attendant, je vais pouvoir vous dire bon week-end à tous, le temps que j'atterrisse mes grosses fesses sur cette sur la map. Merci à tous. Merci du soutien. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même, malgré tout. On va se venger, hein, évidemment. Je vais ouvrir le parachute tout de suite pour être sûr. Il n'y a pas de problème, évidemment. Merci à tous pour votre soutien. Merci énormément à Carlos pour le resub, la religieuse pour le sub offert, Didiasur pour le sub offert, Maximus pour le sub, la relie pour le resub, Herma pour le sub et Ginzu pour le sub. Merci à vous les gars, merci du soutien. Merci à Silver de nous avoir rejoints. Merci à la relie d'avoir été parmi nous. Merci aux viewers d'avoir été nombreux et de bonne humeur. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à la team YouTube. Super content d'être avec vous. Et puis on se retrouve lundi. Lundi c'est 20h30 le lundi, n'oubliez pas. Enfin, c'est à moi qu'il faut dire ça. Bref, je vais pas oublier. Et puis donc on se retrouve lundi pour la suite de l'épisode. Passez un très très bon week-end. Je vous dis à très vite. Et ciao ciao. Bonne les soirée. Les Bonne soirée. Des copains à carte bleue. Ça change quoi à carte bleue? J'ai pas de carte bleue. Putain. Oh, tout Rucano. Je vais le ban. Il n'y avait pas de carte bleue. Putain. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao. Oh, le con. Il n'y avait pas de carte bleue, tout Rucano. Oh, putain. Allez, menu principal. Let's go. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao. Bon bah GG hein. Ah bah ouais, GG pour le... On a pris la fessée. Ouais bon, pas toujours gagné. Non. C'est le jeu, c'est comme ça.